In memoriam. Il y a 4 ans jour pour jour, le Seigneur appelait à lui sa servante. Mavumba Kop Caroline Veuve Chatat. Il y a donc 20 ans, il y a donc 4 ans jour pour jour, rappelé à Dieu le 13 août 2020, le Seigneur appelait à elle. Mavumba Kop Caroline Veuve Chatat. Que beaucoup ont connu. Alors le deuil était porté par ce que la grande famille Wadmba Zepa Edmond, la famille Ngumi Bachankui, la famille Nyate Chanya, la famille Nyandjou Benoît, la famille Sende Amos et Madame Nechatat Patricia, Monsieur Mbé Soufranc Sis et Madame Nechatat Christine, Madame Chatat Nadine, Monsieur et Madame Chatat Sev et Arlette, Monsieur et Madame Chatat William et Orantance, Monsieur Ouzé John et Madame Nechatat Nelly, Monsieur Nimpa Cédric et Madame Ne Daketcha Linda, ainsi que les petits-enfants Charlotte Alain Caroline, Kylian Clara Giovanna, Mathéo Maurice Freddy Nathanaël Koumi, qui rendaient déjà grâce à Dieu pour la vie et l'œuvre de leur épouse, fille, mère, belle-mère et grand-mère, Mavumba Kop Patankui Caroline Veuve Chatat. C'était donc il y a 4 ans, le Seigneur appelait à lui sa servante, Madame Veuve Chatat Mavumba Kop Caroline. Séquence de vie. Il y a donc 4 ans. 4 ans de cela. Et puis des témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni.